Attendez, je me recoins avec un autre compte. Tu peux m'en faire un autre, un propre? J'ai mis autant de smurfs sur ce. C'est cache-ni celui-là. Déconnexion. Heureusement que t'es là, 5. Hein. Tu gères. Bon, il est quelle heure là? On doit pas aller se coucher, il est déjà 2h30, putain. Qu'est-ce qu'on fout là? T'es ça avec ton compte là? Bon, vas-y, c'est pas grave, vas-y, je vais voir. Dis-le-me pas de ban, hein. Elle est dans quoi, Raven? C'est bon, j'ai trouvé, les gars. C'est moi, le Diablo. Pourquoi Léon le nettoyeur? Et coucou! Bon, on la voit même pas, Raven. Attends, je te montre la fille avec qui je voulais te faire sortir. Mais Tornade, mais allume la lumière aussi, on vous voit pas. Tu fais quoi, B? Ah, mais c'est fou l'écran noir, ça sert à rien. Alors, super bon ce plan sur le mur, ouais. Super bon. Bon, ouais, j'ai que ça, les gars. Hein. Si vous voulez voir Raven, Tornade. Elle est originaire d'Italie. Et, bah oui. Et elle supporte Paris, elle a 24 ans, elle habite à Clermont-Ferrand. Attends, c'est quoi qu'elle a mis là? Le boss de la semaine. Et Raven, Raven, elle est blonde. C'est les filles qu'on a croisées sur l'eau qui étaient cool. Par contre, il faudra trouver une technique pour voir toutes les... Parce que je suis sûr que c'est coupé, mais on peut voir en entier la photo. Arrête, t'as une Sewana. Il y a des gens qui l'encouragent. Raven, t'es belle, montre-toi. On veut voir la beauté, Tornade. Oui, bon, bah, je décroche, hein, les gars. La date de Choupa. Ah. Hein? Je me posais la question, est-ce qu'il n'y a pas une meuf du stream, enfin une vieweuse, qui a été intéressée par toi dans le passé? Une cache. Ouais, genre une cache qui est venue te voir et tout, en disant ouais, tu me plais et tout, je t'envoie des photos. Non, de moi. Non, ouais. jamais, non. Ah ouais. Raven, elle s'est cachée tellement. Bah, toi aussi, Tornade. Bah, ça fera un moment quand même que je suis caché. Bon, allez, on décroche, il est useless le live. Attends, et si je t'en trouve une là, Choupa, tu le tentes? Ouais, et après, je vais aller me okay. Godax, moi. Ok. Alors, je cherche. Qu'est-ce que tu penses de... Elle. Ouais, tu travailles après. Profil Samsung S3. À 5h. Donc, une fille profil, qui... elle a 30 ans. Non, mais bon, à un moment donné, faut qu'il ait un certain budget quand même pour un téléphone. Même la tête, t'aimes pas trop? Non, mais tu vas aller où avec une fille qui est encore sur un BlackBerry? Ouais, ça va être dur, ça va piquer. Ouais, j'avoue, ça c'est les filles qui achètent. Elle va au Franprix. Non, mais je dis ça, les gars, mais s'il vous plaît, jugez pas là-dessus, parce que des fois, genre des meufs qui est toute refaite quand elle a un iPhone 7 alors qu'on est déjà à l'iPhone 13, 14. Bah ouais, mais il faut se lever à 5h en vrai. Excusez-moi. Quand même. Elle est toute contente de son Huawei 9. Bah là, à ce temps-là, non, faut pas se coucher, ouais. Sinon, tu peux. On rigole, ça va. Le réveil, tu vas pas l'entendre sonner. T'es un bâtard, Babar, il va revenir et tout, il va se foutre de ta gueule. On rigole, ça va. Bah attends, y'a que ça là. Attends, je vais voir Lilo. C'est d'intendance. Je l'enverrai en privé. Elle nous connaît, elle, maintenant, mais si tu veux, tu peux y aller en frontal. Non, mais gros, NJ Phoenix. Emanando. Non, mais elle est tout en là. Elle est tout en là, elle. Madame Ray. Mais je t'avais dit, Tricube, qu'on se foutait pas de ta gueule. Et elle? Elle s'appelle Nutella, elle est algérienne. Non, ça va. Salut, Nick. Nutella. Je suis pas d'Algie. Je suis de Tizi. Non, non, elle, je vais me retrouver avec Oblade, oui, à me marier. Les papiers inversés, là. Arrête de dire des conneries. Tu sais que l'Algérie, c'est un pays riche, hein, s'ils veulent. Enfin, ils sont très bien chez eux, hein, oui, certains. Oui, très riche. Oui, je suis de Tizi. Et il m'a... demandé le matin. Par contre, j'ai pas de modo. A 5, tu peux, Théo, s'il te plaît, pas de folie. Oh là là, mais... Non,
Je suis pas 5, intéressé, s'il te plaît. Non. Ouais, ouais, mais envoie des Théo, tu remets une couche au pire à 5 s'il casse les couilles. Booba. La marocaine, une rebeu. J'aime bien les rebeux. Ah, là tu peux y aller là, en frontal avec elle. Ouais, pareil, ouais, téléphone pas top, je crois. Tu vois les photos? Tu travailles pas en ce moment, Ah non, je travaille, je suis en vacances, mais ce matin je me suis. Elle a deux FPS, Frédéric. Elle a un accent, du sud. La marocaine. Je suis en vacances, elle a dit. Elle a deux FPS. Ah non, en fait, meuf qui fume et accent du sud, Riri, c'est pas possible. Mais joli corps, hein. Ça pourrait te plaire, hein. Non, j'ai pas d'enfant. Mais d'abord le mental, Riri, avant le corps. Ah ouais, j'avoue. C'est pour la vie, c'est pas pour une nuit. Le réveil, là, j'avais. Parce que de base, t'as vu, je mets le réveil le matin et tout. Et j'avais oublié de le désactiver. Du coup, il a fait que sonner. Bon, ok, on décroche. Espagnol? Oh! Revanche. Une bikeuse, donc une rideuse potentiellement. C'est une rideuse, regarde les photos. T'aimes bien avec la petite sacoche comme ça sur la LED? Genre, j'aime pas du tout. Non, la casquette. La casquette baseball, la moto, le piercing comme ça, non. Ok. Profil, je te mets de l'huile de vidange dans le cul et ensuite tu vas aller cabrer avec moi. Ouais. On va parler. Ouais. Bon, on voit rien, la bohémienne. Shabba Warda. Est-ce qu'il va la Shabba Warda? Je suis pas difficile, les gars. Moi, mon style, et j'ai pas de style. Ça va, t'es pas difficile, je sais pas. Genre, attends, vas-y, défile et je te dis stop. Ok, attends. Ok, bah attends. Je suis sur un live, là. Heidi, c'est une petite blonde. Non, elle a un profil LGBTQ+. Elle aime les filles. T'as leak le snap, là. Le snap et l'insta. Ah, le snap et l'insta. Bon, bah... En même temps... En même temps, c'est affiché à Vipax. Vas-y, je défile, tu me dis quand je m'arrête. Ok. Tu la vois bien sortir avec Evil Sophia, non? Vous trouvez pas, les gars, en chat? Evil Sophia, non? Oh, ça va. Quoi? Evil Sophia, arrête! C'est un rappel. Elle fait quoi, là? Attends, je crois qu'attends. Attends, je l'écoute. C'est là en... Je crois qu'elle a une voix bizarre. Yep. Ça va pas de loin. Yep. Ouais, profil... Et nap, ça viendra pas de moi. RP branlax, il y a du mouvement, ouais. Il y a du mouvement, Ray, tu devrais partir, je pense, un peu. Arrêtez, fais du yoga. Vas-y, on bouge. Attends. Blue Eyes, en fait, le problème sur le vous, c'est qu'il n'y a aucune meuf bien. Mélissa. Déjà, à partir du moment où t'es sur une application de rencontre en direct à 2h33, c'est qu'il y a un souci. Ah non, on la connaît, elle est cool avec nous, Mélissa. Mais Mélissandre... Tu sais que j'ai tellement envie de faire ce RP, Hassan. Est-ce que t'es magnoni? Est-ce que t'es manioc? Putain, j'ai trop envie de le faire ce RP là, en mode kilak sur l'ovo. Ouais. Tu parles dans le vide. Oh. Tu me dis quand c'est bon, hein. Bah pour l'instant... Nani, non? Nanani, là. J'aime bien les meufs avec les carrés comme ça. Ça fait... Mais le truc, c'est que les meufs, elles sont belles au naturel, ouais. Tu vois. Les meufs, elles sont belles au naturel et je sais pas pourquoi elles mettent grave de maquillage alors qu'elles sont très belles naturelles. Ah oui, c'est vrai qu'il dit tu, ouais, je suis d'accord. Justine, 21 ans. Tu peux pas... Justine, tu vois, elle est jolie, mais les sourcils, c'est la 31. C'est... Non, les sourcils, non, bah, franchement, vas-y, fonce, vas-y, je joue pas, allez. Elle est magnifique. Regarde, elle est au naturel quasiment, à part les... Ça, par contre, c'est des fossiles, c'est ça. T'es sérieux? C'est des fossiles. Ah, dommage. Et c'est rédhibitoire, ça aussi? Non, en vrai, ça va, tu vois, mais... Genre ça, c'est profil, je dors avec les fossiles. Elle fait du cheval, hein. Elle fait de l'équitation. Hein. On dirait une esthéticienne, Choupa, je parle. 21 ans. Non, en vrai, ça va. Après, moi, je suis plus brune. Les blondes, elles sont un peu infidèles. Oui, j'ai mon propre cheval que vous avez pu voir en photo. Mais ça va. Non, ça va, elle est mignonne. Mais ouais, c'est... Profil, je vais me coucher avec mon maquillage et mon gloss, quoi. Parce que j'ai un travail... Ok, bon. Ce qui est bien avec Choupa, c'est que je joue vraiment pas beaucoup.
Nala, I am Disney, attends, on va voir. Ah, Boots elle. Qui... Ah oui, c'est son personnage moche là. Attends. Ah. Ouais, il y a déjà Zerator sur le coup là. Non, mais elles m'ont passé à son visage. Celle qui ressemble à. Comment elle s'appelle, la chanteuse là? Weshden. Ouais, attends, on va voir. Attends, il y a Mbappé, j'ai même pas vu. Donc tu viens au casino? Bonsoir. Ouais, ça, bah, bien souvent. Mais tu peux pas venir oui, au casino. C'est mon ouais. Attends, t'as terminé ton live? Ouais. Non, on cherche une femme pour Choupa et c'est pas évident en gros. Une femme? Ouais, on est en train de balayer des live levaux là. Ah. Pour lui trouver une petite fille à qui draguer là. Après, moi, il y a un truc bizarre avec Choupa, c'est que sur ses stories Instagram, il a plein de jolies filles, hein, mais c'est. Il tente pas, ouais. Ouais, je pense, ouais. Mais ça fiche pas avec. Là. Tu tentes rien, Choupa, alors tu amis, pourrais te mettre tellement rien. Mais t'es de quoi, ami avec une femme? Qu'est-ce que tu racontes? Ça existe pas, c'est ouais. Mes amis, ça va. L'amitié homme-femme. Hein? L'amitié homme-femme. Eh ben. Salut, Otenax. Eh ben, c'est mes amis, je veux pas pécho mes amis, après t'as pas d'amitié. Quoi? Calme-toi. Mais qu'est-ce qu'il raconte, lui? Quand il veut jouer au League of Legends à 2h du mat, là, avec des meufs, là. Mais Choupa, faut vraiment que tu te remettes en question, ou tu me dises vraiment que t'aimes pas forcément, tu vois, que t'as autre chose en tête, quoi. Et là... Ouais. Il aura été rapproché beaucoup de choses lors de ce live IRL, hein, Choupa, je pense. Hein. Ça s'est fait difficile, Choupa, IRL. Vous allez voir, pendant le live IRL à Paris, on verra. Lesquels, la VRL? Mais t'en fais tout le temps des la VRL, pourquoi tu le fais pas? Non, mais non, mais avec Rivé, je veux dire. Non, ah, t'as besoin de quelqu'un pour. Non, dans Paris, on va. En Condor. On part en RP Condor, ouais. Il est aussi difficile que Laurent Ruquier à niveau femme. Oh, bâtard. C'est la Jack de Théo, c'est un modo. Non, le Théo pas. Elle est bien celle-là. Sick boy. Eh, hey, oubliez pas, vous êtes tous dans votre caleçon là, 2h38 dans votre chaise en train de regarder le live. Faites pas les condors. C'est quoi, qu'est-ce que tu racontes? Une portugaise. Non, c'est bon. Ça... Pas trop portugais. Elle est sur un live, si tu veux, on peut... je vais m'infiltrer. Et je te fais une passe D là, elle est avec Jordan, Cindy et un certain Le Parisien. C'est nos spécialités en ce moment avec Yamab, on adore s'infiltrer dans les F comme ça. Ah, franchement, hier j'ai passé une heure sur un live, mais j'ai même pas vanné, même pas faire troll. Hein. Je suis allé en mode normal quoi. Ouais, j'essaie d'avoir 2-3 lives où genre ça se passe bien, tu vois. Mais par contre, hier je suis tombé sur 2-3 malades, c'était marrant. C'est parti en full insulte et tout? Ah ouais, il y avait un mec qui était chaud. Un gros pack, c'est combien là? Et Latina aussi qui a fait une boucle. Une boucle? T'as vu, elle a changé son profil, elle a mis une meuf, c'est pas du tout elle dessus. Mais elle, la chieuse, franchement, la chieuse, tu valides, ça va. J'aime bien ses cheveux. Il a dit quoi le cher? Ouais, c'est bien ça. C'est bien, c'est naturel. Franchement, c'est pas, elle est pas surfaite. Non, ça va. Alors attention, parce qu'il y a quand même un sacré filtre quand tu passes. Mais tu vois, rien que la phrase avec un passé lourd, ça donne pas envie. Ah, moi j'ai trouvé la meilleure phrase d'un profil tout à l'heure. C'est quoi? En plus, alors on se bande de chez moi. Alors ça m'a bien fait rire. Alors attends, faut que je la retrouve parce que ça c'était vraiment exceptionnel. Si je m'en souviens bien, c'était femme célibataire de 41 ans avec 4 enfants, mais qui vivent chez leurs parents, mais malgré tout que je vois car je suis à proximité. Je vois la description. Non mais regarde la télé qu'elle a, les meubles, on sait pas. Ah, ça se voit qu'elle a un gamin. Je crois que je vois des jeux d'enfants là. Bah vas-y, c'est pas grave, tente. Hein. Non. Par la qui? Bah toi, la chieuse là. Attends, elle a un enfant. Ouais, elle a un gamin, je remarque au fond des jeux de gamins, quoi. Ah oui, des jouets. Ah, c'est con, non, mais... Ah, non. Ah, Riri, je viens de voir un truc. Le profil scotch sur le mur, là, à mouche. Non, ça c'est rédhibitoire. Moi, j'en ai un plein chez moi. Mais ah, mais c'est dégueulasse. Ça marche tellement... Ouais, mais t'habites pas la campagne, pauvre con. Franchement, il y en a de partout, et c'est le seul truc qui marche, en fait. Sinon, tu mets des produits chimiques, c'est pas bon. Là, c'est bien, ça les attrape. Moi, je fais pas des produits chimiques, mais alors, elle a acheté ça, et bon, j'ai laissé, quoi. C'est ça, ça fait sale, non? Dans un appart, tu rentres, il y a plein de mouches sur un truc de scotch. Bah, tu l'enlèves, en fait, et tu le changes régulièrement. Ouais, je sais pas. Ouais. T'en fous, Coco? Bah, ce qui fait ça, le Choupa en soi, c'est d'avoir 40 mouches chez soi plutôt qu'un truc où elles sont toutes mises. Oui, c'est vrai, oui. Aussi. Bon, pas elle, ok. Va dans. Alissa. Flirt. Ça va, Alissa. Non, j'aime pas du tout.
là d'un coup c'est non Alissa ça va pour mais on dirait requin dans foot de rue. Il fait moi direct, t'as vu. Merci Go, c'est gentil. Attends, je suis... Elle fait naturelle, elle fait, on dirait une fille de Tarbes. Vas-y Go. De Tarbes. Bah rigole. Non, de Tarbes. RBS. Depuis quand tu connais Tarbes? Par contre il ressemble à un streamer lui là. Comment il s'appelle? Il était sur le stream. Akilio. Non, mais qui avait pas de cheveux, mais lui en a. Zanky. Zanky. Non, il ressemble pas à Zanky. Bah vas-y. Zoulou, ouais. Bien joué les gars. Zoulux, ouais. Un petit peu. Oh putain. Je mets Kinvé en mode fat. Oh non. Comment tu connais Tarbes? Bien sûr que je connais Tarbes. Je ris pas. Parce que t'es pas prêt. Sérieux, elle, t'aimes pas? Elle est même naturelle. Attends. Non mais pas du tout. Mais alors là, vraiment ouais, pas. On va aller dans rencontre, on va voir. Mais y a personne que t'aimes en fait, Choupa. C'est quoi ton idéal féminin C'est un mytho ce Choupa. Mon idéal féminin, c'est-à-dire genre une meuf connue. Hein? Moi j'aime ouais, bien en streameuse, les... en n'importe quoi. Moi j'aime bien les asiatiques. Oh, allez, vas-y, s'il te plaît. Justine, t'aimais bien, tu m'as dit. Vas-y, elle a laissé le cœur ouvert. Vas-y, Rosa. Rosa, t'aimes bien Rosa? Bonne chance. Tu connais Rosa? Je sais pas, vas-y. Je vais me prendre un vent, vas-y. Attends, je passe au début pour faire valoir. Vas-y. Bah, j'ai 4% de batterie, il faut que je passe en combien? T'es sûr? Bah, vas-y, j'y vais en face. Passe, mais dépêche pas. C'est chaud. C'est archi chaud ce qui se passe. Il y a que des vidéos de ma fille qui s'est me casser les couilles à mettre un son. Il a montré cette bite normale, mais je te jure, il est arrivé. Bon, mais si je montrais ma bite, on adore. Ça va? Salut. Salut. Je regarde ton live. Ah ouais? Ça se passe bien. Bah ouais. T'as un joli sourire. Merci, c'est trop gentil. Moi, j'habite en région parisienne. Ah ouais? Oui. Ah, moi, je suis plus en région marseillaise. Mais excuse-moi, t'aurais pas 52 ans? Non. Oh. J'ai 30 ans. Oh. T'es jolie. Ah, merci. Tout est naturel chez toi. Ah ouais, tu trouves? Dégage quelque chose. Tu me mets le match en bas. Ouais. Salut, ça va quoi? Oh, Starfala, c'était quoi ça? Il m'a fait trop peur, j'en pouvais plus. Ah oui, c'est bizarre un peu. Hein. Ah putain, récupéring. Ah, je pouvais pas, je voulais pas rigoler parce que ça se fait pas, mais. Oh là, j'étais pas bien, je t'en montrais. Ah, faut que je mette une cigarette. J'avoue, il m'a mis un peu dans le mal aussi. J'étais un peu gêné. C'est quoi les bonbons gratuits? Attends, je teste. C'est quoi? Est-ce que il vous a pas fait penser au mec sur TikTok là? Oh, j'ai 52 facile. Ans. Oh, comme ça là. Ouais, j'avoue un peu. Oh, mais il m'a fait trop peur. Oh, mais il regarde là. Tu l'as? Ah ouais, genre tu agresses une femme, tu la frappes et il arrive moi, derrière. Et... Non, je voulais passer en premier, tu vois, et ensuite genre en mode schlagué. La Rochelle. Ah ouais, d'accord. Ah ok, ouais, faut que tu dis ça. Ah, j'ai même pas eu le temps de te parler, il reste à peine 6 secondes. Faut qu'elle relance, mais sans le cœur. Bah ouais, mais bon. Vas-y, je remonte, attends, deux pieds. Vas-y. Ouais, en gros, je disais, merci les gars, en gros, je disais attends, que attends, le faire, la technique du faire valoir, ça marche compris. Trop bien, et on va tester ça dans la vraie vie, ça doit être ouf. Il y a des vidéos sur YouTube. Mais putain, il me casse les couilles, bite du bois. Elle est moche, ta bite. Elle est dégueulasse. Elle pue la merde. Elle est toute petite. Je crois que c'est un mec. Attends, il y a un mec qui... Hein? Par il contre, va afficher sa bite, lui. Oh, mais si t'as eu trop de chance, rien. Il y a une grosse beuteux. Hein. Ah ouais? T'as ah, eu la caméra qui ouais, buguait, mais t'avais une grosse beuteux. Ouais, c'est que je suis dans le live. Mais non, sérieux pas, oh, putain. Ouais. Ils l'ont pas vu dans le chat. Ça va hyper vite. Ça a bugué, moi, sur l'appli aussi. Ça va? Ça va, toi? On peut la remettre, s'il vous plaît? Moi, j'ai pas vu. Attends, mais le chat, confirmez-moi, il n'y a pas eu de buteux. On a... Ah non, c'est Wally Jim. Non, mais quoi? Spécimen ce soir, c'est incroyable. Il n'y a pas eu. Ouais. Hein? Il y a trop de spécimen, c'est incroyable. Vraiment, il est veiné et tout. Non, mais avec là, full veine, je sais pas. Viens de voir MDR. Non, il était en no bonding. Non, non, la vie de ma mère, je troll pas, les gars. Ouais. Genre, il est en train de se filmer en disant ça va plaire aux gens. Mais c'est quoi ce que t'aimes bien? C'est avec son micro.
MDR. Mais elle est mimi, elle. Axel, t'aimes bien. C'est pas la première fois qu'il apparaît ici. Parce tu la trouves jolie, toi, Riri, non? Ça va, franchement, ça va. Jolie brune. Ça a duré 2 ans. 19 ans. Pas Justine ou Axel? Je préfère Axel, moi. La button en récupéring. Mais c'est moi ou j'ai un live de taré ce soir? Salut, l'autre fois. Re-coucou. Putain, il aurait dû te laisser, il t'aurait dû laisser en full cam, je sais pas, ça aurait été mieux. À notre compte, même mec. Je suis pas en train de fumer, je sais pas si ça te dérange, toi. Tu fais tout pour non, enfin oui, ça me dérange, moi je peux pas sortir avec une meuf. Je voulais le compte de toute la quartier. Profil rebeu, lui, Joseph, ou pas? Blédard? J'habite à Tunisie, et toi? Ah ouais, Tunisie. Mais genre, c'est normal d'habiter en Tunisie, bah j'habite en France. C'est bien. Il m'arrête pas, c'est bien, oh putain. Oh. Ouais, je mets les 4 bits, on sait jamais maintenant. Joseph, t'as pas une tête à t'appeler Joseph. Bite du bois. Je suis en train d'imprimer sur YouTube. Ah. Fais-lui relancer les cœurs, Choupa, et développe avec elle un peu, on voit. Mais il faut que je me dépêche, 2% de batterie. Bah au pire, tu charges, encore 5 minutes, 5-10 minutes. Alors, elle vient de relancer le cœur, je crois. T'inquiète Marco, je te comprends. Vas-y, retourne-y, je crois qu'elle t'attendait. J'adore parler dans le... Et Axel, vous l'aimez bien, vous les gars, dans le chat? Salut. Vous avez pas de Marco. Match. Non mais en fait, genre, c'est je suis qui, partie, Axel? Je sais pas comment. Genre en mode... j'ai pas voulu, en fait. Mais non, mais c'est parce que je crois qu'il y a du temps. J'avoue, attends, la photo, elle passe beaucoup mieux. Regarde, je te montre la photo. Ouais. Sur la photo, elle passe mieux, non, les gars, Axel? Bien sûr, rien à voir, la photo est là. Par contre, tu nous as défoncé les oreilles, Mbappé, je sais pas ce que t'as fait. J'étais en train d'imprimer les photos de ma bite pour les passer sur le bout. Ah, okay. Bah, je suis le pote d'Axel. Ok, vous venez d'où, vous? Près d'Avignon, et toi? Ah ben, j'ai des copines à Avignon. Ardèche. Ah, c'est pas loin. C'est pas un peu vieux pour elle? Mais non, c'est pas du tout. J'y étais il y a encore moins d'une semaine. Attends, je vois laquelle. Une heure et demie, même pas. Il a 50 piges, le mec. Elle a 19 ans. C'est son mec à droite? En canoë. Non, il doit avoir la trentaine. Il sait qu'il est en Ardèche? Vas-y, Choupa, vas-y, retourne-y. Est-ce que là, elle est sous l'aide par Joseph? Je suis de Montpellier, cool. Oh non, il y a le Drake. Le Drake de Wish, les gars. Il est toujours là. Attends, je vais. Attends, alors là, si j'y vais pas. Alors lui. Comment? Ou en Ardèche, vers Aubenas. Ah, t'es en Ardèche. Ouais. Ah ouais, je suis pas loin. Je suis à une heure. Quoi. J'y étais il y a deux. Attends, non, j'ai pas. Alors là, j'y vais direct. Mais tout le monde est en Ardèche. Il part en égo à chaque fois dès que je lui parle. Ah, j'ai cru que t'allais à Aubenas. J'ai mon cousin qui a fait une compétition athlétisme. Pour ça. D'accord. Ouais, je drink de l'eau. Ça commence. C'est trop débattant, mais c'est trop drôle aussi, je suis désolée. Je vais finir par plus me montrer. Hein. Oh, mais ça va. Il a eu le Covid, vrai. C'est encore plus gros. Si on te réchauffe prisonnier, cligne des yeux, je comprends. Ouais, re. Ah putain, il est là, lui. Je l'aime trop, lui. Du coup, tu viens d'Ardèche? Ouais. Ah ok, oh. Tu connais Thiviers ou pas? Qui? Thiviers, c'est une ville en Ardèche. Je sais pas si tu connais. Attends, répète. Thiviers, tu connais pas? Pas du tout. Pas du tout? C'est en Ardèche, c'est pas très loin en vrai. Genre, c'est à même pas 20-30 minutes, je pense. J'ai des potes qui habitent là-bas, je viens souvent. Mais attends. De où? De Aubenas? Ouais. Non, mais c'est impossible. Je connais tout aux alentours et ça me tire rien du tout. En vrai, je vais pas te mentir, il reste 20 secondes. Je monte quasiment jamais en caméra parce que vas-y, j'aime pas trop ça. Mais en fait, je te trouve vraiment pétillante et je vais savoir s'il y a moyen, on match. Et après, on échange nos réseaux. Et comme je viens souvent en Ardèche, aller boire un verre ou un truc comme ça, tu vois. Ce qui met ? On fait ça ? Vas-y. Vas-y, super. Vas-y, des bisous, passe une bonne soirée. Je t'envoie un message. Ce qu'il a mis en Perrier ? Attendez. Je voulais savoir. Tu m'acceptes le truc de Condor. Oh, il est chaud. Parce que t'as accepté l'autre avant. T'as un regard qui est foudroie, qui est joli. Bon, je vais arrêter de faire le con. Oh putain, t'inquiète, juste... merde. Salut, ça va?
bon, c'était fait au début, mais t'inquiète, je suis quelqu'un de très très équilibré. Je pense que, à vrai dire, j'ai pas envie de faire de la concurrence à, parce que il a tout niqué. Le mec juste avant, il est trop BG. Je pense que si j'ai un conseil de donner, file de le voir, quoi. Ouais, grave, parce que j'abandonne. Non, mais ça se voit qu'il te plaît et tout. Je pense que ouais, je fais pas le bon. Non, franchement, je te mens pas, il est grave beau gosse. Mais vas-y, fonce. Me match pas, s'il te plaît. Non, mais t'es trop gentil aussi. Alors, par contre, s'il vous plaît, 2 minutes là. Est-ce que, juste 2 secondes, vous pouvez m'expliquer c'est quoi le délire de Twitch et de des vidéos? T'es fait une passe-dé là un petit peu. J'ai pas de un petit plat du pied, tranquille. Il était léger celui-là. T'es un artiste, merci tonton. Oh putain, je t'ai mis humble. Et là, elle va te parler en DM. Là, tu peux changer avec elle, c'est ça? En DM. Ouais, ma mais c'est lequel à Carou? C'est lequel? C'est à Carou qui te diffusait sur internet. Il fait chier, pense-leur à tout retransmettre sur YouTube. Je comprends pas, mais expliquez-moi tout. Regarde la photo qu'il a mis du site, putain, j'en ai marre. Pas le bâtard. J'en ai marre. C'est bon, ce fleur. Laissez-moi monter. Je comprends pas, expliquez-moi. Salut. Salut. Moi, je vais t'expliquer. Il y a un mec qui. En fait, il te filme. Et il doit nous filmer, je pense. Et il met sur YouTube ce qu'on dit, en fait. Oh, le bâtard. D'accord. Et mon ami, le qui est passé avant lui. Toi, là, il est dedans. D'accord, il est dedans, t'inquiète. Hein. On se met sur ce qui est mon tour. C'est qui est mon tour. Avant toi, c'est le chef. On dit que c'est lui. Mais il toujours il poste ce que t'as marqué et il écrit. Il m'a déjà fait dedans. D'ailleurs, merci pour cette alliance à lui. C'est idiot. Si, je le remercie. Toujours pas, en fait. Genre, le gars, c'est quoi? Si, quoi, je veux toujours quoi, enfin, balancer tout dans le chat, c'est une merde. Bon, s'il vous plaît, quelqu'un peut monter, mais quelqu'un qui peut m'expliquer, genre, pour de vrai. Vous voulez qu'on fasse quoi? Vous voulez qu'on le termine ou quoi? Pas, c'est quoi le bail, parce que je vais vraiment m'énerver. Viens, on dit que c'est lui, mais on dit qu'il ressemble. On dit que c'est. Et lequel? Mais dites pas, c'est le il faut qu'il ressemble à un youtubeur qu'on connaît. Dites-moi, c'est l'autre qui se fait passer pour un fou. Ah, mais lequel je dois apprendre? Ouais, salut. Ouais, je vais tout t'expliquer rapidement. En gros, la personne juste avant. Attends, 2 secondes, je ne sais pas si tu m'entends. Mais quelle personne juste avant? Yeux noirs. À chaque fois, c'est sa spécialité. Il fait genre, ouais, diffusez pas, mais c'est lui qui diffuse depuis le début pour être infiltré, en fait. C'est sa grande spéciale. Après, moi, je te cache pas, je suis dans le milieu du gaming. Je regarde, j'ai un PC. Non, tu vois, etc. Mais je comprends pas. C'est quoi que tu comprends pas? Bah, regarde le chat, tout le monde confirmera que c'est les yeux noirs qui diffusent sur YouTube. Tu peux demander même à celui qui ressemble à Wish Drake, etc. Yeux noirs, Akaru, ouais, c'est Akaru, ouais, le chef suprême de cette communauté. Mais t'en fais pas, en général, il s'amuse juste à aller sur les lives, il prend juste une capture. D'ailleurs, tiens, j'ai un message à faire passer à Akaru, enculé de tes dents jaunes. Ça fait 3 fois que je suis sur ta vidéo YouTube, enculé de ta race. Bah. Non mais attendez, moi je vais aller voir, parce que si j'y suis, la vie de ma mère, regardez bien, si je suis pas une grosse pute, je vais aller porter plainte, en cas, parce que ça, je supporte pas. Bah, c'est ce que je te conseille de faire, parce que c'est dégueulasse, mais après... Moi, j'ai 22 ans, je m'en bats les couilles, mais autant il y a des gamines de 13-14 ans qui s'éclatent entre elles, et elles vont finir sur YouTube. Ah, mais c'est interdit, mais nous, justement, avec des amis, on rôde très tard pour justement les cramer, ces petites mineures, pour leur dire, les convaincre d'arrêter, donc on se fait passer pour des modérateurs, et on essaie de les faire enlever, parce que t'es d'accord avec moi, c'est très malsain, l'univers de l'OVO. Il y a beaucoup de charreaux, quoi. C'est hyper malsain. Donc, il faut souvent signaler les jeunes comptes. En général, on est de mèche avec certains admins qui nous connaissent. On œuvre dans l'ombre. D'accord. Mais ses yeux noirs. Hein. De toute façon, tu le laisses remonter, il te dira, il va tout avouer. Non, voilà. Je le laisse remonter, en fait, parce que du coup, ça ne sert à rien. Je dois en finir sur son live. Yeux noirs, au pire, tu lui dis clairement que tu n'es pas malveillant. Ce que tu fais, c'est... Voilà, n'importe qui le ferait pour avoir son salaire YouTube. Ça Merzeux, c'était bien la montre. Sa vie. N'importe qui le ferait. Il est connu en plus. Hein? Il est connu en plus. Ouais, il est assez connu. Ouais. Il fait quelques milliers de vues, donc ça lui rapporte un peu d'argent. Oh non. Ah, Kajni. Ouais, t'inquiète. On œuvre dans l'ombre, justement, pour les faux profils. Ouais. Je te conseille d'accepter IMBAB 1. Il va t'expliquer plus clairement ce qu'il en est. Je ne sais pas s'il a demandé. Comme ça, ils peuvent t'expliquer clairement. Moi, tu vois, avec mes mots, j'ai essayé de te dire... Ah,
Ouais, il a demandé la cam. Bon, vas-y, je te laisse. Il va te parler. Tu verras, c'est une personne très âgée. Tu verras, il a 40, 50 ans et il t'expliquera ça posément. Okay. En tout cas, continue tes lives, Justine, tu déchires. Merci. Ouais, vraiment, il est hyper gentil. Salut, Justine, ça va? Ça va et toi? Bon, j'ai pas 45 ans, hein, je sais que je fais. Le pauvre! Direct, il a dit t'avais 45 ans, putain, c'est horrible. Alors que je fais jeune. Bah, ça va, tu fais la trentaine, quoi. Voilà, bah ouais, bien tassé. Comment on a retourné le truc, les mecs? De quoi? 45 ans, c'est abusé, mais bon. Ouais, non, mais ça, c'est normal, c'est pas grave. Ouais, yeux noirs, moi, j'ai fini sur 5 de ces vidéos, les 5 dernières, là. Mais je comprends pas, en fait, il fait quoi? Il fait des enregistrements d'écran En fait, il filme les gens qui filment des gens. Donc, en gros, toi, tu vois, là, t'es en train de te filmer. Oui, mais genre, ça, j'ai compris, mais genre, à ça, il fait quoi? Il rajoute des commentaires? Non. En fait, il y a un mec qui te filme, tu vois, et lui, il va filmer le mec qui te filme. Il est en Inception, quoi. Il fait du double acting. Okay. Voilà. Et là, du coup, je sais qu'il y a un mec qui filme les gens, qui filme les gens. Et là, par contre, j'arrive pas à le trouver, lui. Mais attends, un mec. Ouais. Qui filme... Là, on est d'accord, il y a un mec qui filme les gens qui te filme, d'accord? Oui. Et il y a un mec, il filme les gens, qui filme les gens qui filment. Donc, au-dessus de Dieu noir encore. Et lui, c'est un gros fouteur de merde, mais on n'arrive pas à le trouver. Ben lui, il fout bien la merde, mais il a plein de plaintes au cul, quoi. Mais c'est quoi ce bordel? Bon, tu vois, il y a Staff Narzoul, c'est un staff de Lovou, lui. Oh putain, c'est bon, le staff Lovou et il y a une enquête en cours. Lovou est en cours. Non, mais parce que quand même, comme je disais, c'est super grave parce qu'il y a des jeunes quoi, qui sont mineurs, je pense, sur Lovou. Prends Narzoul, vas-y, interviens. Tu n'as pas le droit, par contre, d'être là. Ouais, fais intervenir Narzoul, dis de reprendre Narzoul après. Parce que les filles, elles peuvent mentir sur leur âge. Donc après, moi, je trouve ça hyper malsain parce que demain, je suis maman, je vois ma gamine. T'es maman, toi? Non, demain, moi, je suis maman. Enfin, c'est une façon de parler. Ah, tu vas accoucher demain? Mais putain. Pourquoi? Mais non, je dis si, par exemple, j'ai 45 ans et j'ai une gosse et je vois… Vous savez quoi avec les gens qui ont 45 ans, là? Vous êtes passé le monstre, hein? Non, mais t'as compris. Enfin, je vois ma fille sur un truc YouTube bizarre de Lovou et tout, mais je pète un câble, c'est mort. Bah ouais, bah lui donne pas de téléphone. Bah oui, non, mais au bout d'un moment, voilà, les ados, ils veulent tous avoir un téléphone. C'est vrai, moi, mes filles, elles ont des téléphones. Bah voilà. Ouais, mais elles vont pas sur Lovou, sinon je les écartèle et je les enferme à la cave. Oui, mais ça, après, c'est compréhensible aussi. Bah, exactement. Bon, après, moi, j'ai 22 ans, donc ça va, mais c'est chaud, quoi. Enfin... Bah après, moi, j'ai que 27 ans, hein. Je le sais, je les fais pas, mais du coup, on a que 5 ans d'écart. Oui. Il faut enlever El Diablo, les gars. Dites qu'El Diablo, c'est l'autre connard qui va encore nous balancer. Moi, je trouve ça pathétique, quoi, ce qu'ils font. C'est pas cool du tout. Et par contre, il y a le. Celui qui est passé, là, Dédi, ou je sais pas quoi. S'il a le modo, les gars, il banne El Diablo, c'est bon. Il a tapé dans l'œil. Ouais. Ouais, lui, je le connais. Il faut que Nerzu soit modo. De quoi? C'est un bon. Bah, je l'ai jamais vu draguer, donc c'est étonnant qu'il monte pour te draguer parce que d'habitude, il parle pas trop aux filles. Il est plutôt timide, introverti. Et je le vois souvent sur des lives à discuter. Il joue de la musique. Il fait de l'accordéon, il a plein de trucs, de la cornemuse, des trucs comme ça chez lui. D'accord, ok. C'est cool. Et ouais. Donc voilà, c'est un bon mec, c'est un mec plutôt sympa. Et il fait je sais qu'il se produisait en théâtre. Il nous avait fait voir une vidéo, il faisait du théâtre et tout, il était déguisé en grosse carotte. Je suis morte, énorme. Ouais. Ah, bah El Diablo, tu peux le virer, lui, c'est le mec qui filme le mec qui filme. Bah tu vois, c'est lui. Ah ok. Voilà, bah là tu peux le gérer. El Diablo, t'as grillé, c'est fini ce soir. Ça sert à rien d'essayer. Attends, ça serait énorme. Putain, mais vous avez que ça à foutre, hein. Non, mais c'est super grave, par contre, genre... Vire-le, parce que sinon, il voit tout en permanence, là, c'est... Putain, mais il y a trop d'un petit moment, j'arrive plus à suivre. Ouais, parlez plus, attendez. Non, pas ce soir. Il va se faire virer, je serais mort de rire. Basket chaussette, ça rentre pas ce soir, El Diablo. Ok.
Tiens, El Diablo, franchement, t'es un gros bâtard, la vie de ma mère. Yes, allez, El Diablo, prends ça dans ton petit cul d'enfant, ça te bouffon, va. C'est tellement puéril. On t'a eu, allez, yes. Les gamins, ça va faire de leur vie, c'est un truc. Là, c'est autoroute maintenant. Non, non, mais ça. Ça rien, t'es tranquille sur le bout, tu fais un live. Ou tu sais, tu veux pas que les gens te voient. Là, c'est l'autoroute. Et bim, il y a quelqu'un qui te monte sur internet, quoi. C'est ça. En plus, il doit voir le chat, tiens, ça pue, va. Mettez des doigts avec toi qui gagne, les mecs. Je vous mets le chat YouTube après. Vous non, mais c'est grave, c'est un truc de dingue, quoi. Allez, contiens, là. Ouais. Ouais, c'est fou, hein. C'est. Je comprends pas, ils ont 12 ans d'âge. Merci, Calu, qui s'abonne en tant que pilier, les mecs. Il y a ton mec qui demande à monter, quoi. Et ouais, mais après, j'ai vu que moi, je suis d'Ardèche aussi. Ah ouais? Mais ouais, je suis d'Ardèche, ouais. T'es de vers où, toi? Je suis un peu plus bas vers Valence. Mais ah, non, okay. Il a mis Ner'zhul, Modo. T'as plus haut, pourquoi? Je suis pas loin, je suis à 30 minutes de chez toi. Je suis mort, Ner'zhul et Modo. Tu connais Vernou? De quoi? Vernou. Vernou. Ah, c'est magnifique. Je vois, c'est... Oh putain, c'est un de mes meilleurs, la masterclass. Where you, ouais. Voilà, masterclass. C'est ouais, la masterclass. Plus vers Oblena. Ouais, toi, t'es dans la capitale, quoi. T'es... Voilà, vous avez de la chance, en plus, je ne l'ai pas mis ce live en only sub. Ça, ça... Vous avez vu, hein, quand on le met, on se fait direct détracted. C'est pour ça que je proposais le live en only membre. Je pense que le jeu, c'est que moi, j'ai bien envie de vous voir converser avec Mehdi quand même. Regarde, c'est mignon de voir, il avait l'air d'avoir un bon feeling. Merci, Caliou. Merci beaucoup. Il s'abonne. Je vais lui laisser ma place. Il y a pas de souci. Ok. Merci pour la conversation, Justine. C'était cool, en tout cas. Bisous. Super cool. Ciao. Ah, il était trop gentil, quoi. Adorable. Oh, putain, ce qu'il y a eu. Ouais, re... Ça va, quoi? J'ai mis. Salut. Même Claire, elle dit... Non, mais en vrai, Diablo était... disent pas des bêtises, parce que moi, tu vois, je me balade souvent sur les lives, mais c'est très rare que je monte ou pas, parce que infiltré, je suis un peu timide et tout. Et il y a... T'as dit quoi? C'est un ultra, je crois. Que... Il a un HP! La vie de ma daronne, il a un HP! Merci pour le prime! Des gens, et le pire, c'est qu'il y a un mec qui filme le mec qui filme, bug, en fait, généralement. Oh, il c'est une masterclass, c'est qu'il a. C'est hyper grave. En fait, genre, là, t'as vu, tu filmes, enfin, tu filmes, et il y a un mec qui filme, toi qui te filmes, et il y a un autre mec qui filme le mec qui filme. Et en fait, c'est une boucle sans fin, et il fait des montages YouTube de mecs qui se filment entre eux, c'est genre interminable. Et le pire, c'est qu'il monétise la vidéo. Donc, en fait, avec ton image, eh ben, il va faire des petites miniatures ou genre, je sais pas, je dis une connerie. Par exemple, tu peux te retrouver sur des packagings pour promouvoir des produits. Pardon? Donc là, à tout moment, tu te retrouves sur une boîte de Kleenex, par exemple. Mais comment ça passe? Non, vraiment, je ne peux pas me retrouver sur une boîte de Kleenex, moi. Il y a Jessica, je ne sais pas si tu la connais, c'est une fille qui fait des lives. Elle s'est retrouvée il y a deux semaines sur une... C'est une maman. Elle s'est retrouvée il y a deux semaines sur une marque de couches pour enfants. Et elle a été commercialisée et tout. Ils ont fait un truc de fou. Le mec merci, a vendu l'image, en fait. C'est gentil. Il a vendu l'image à une société. Encore et ils ont même fait si des couches derrière. C'est une multinationale qui tourne. Merci. Et elle se retrouve si sur là, des marques à vous comme abonner, Panthère, on continuera, comme merci. Ça. Et ça vend à Intermarché. Donc la fille, elle n'a rien demandé. Elle se retrouve sur des couches culottes, en fait. J'ai vu ton don, t'inquiète. Merci beaucoup. Moi, je porte plainte. Donc là, à tout moment, ouais, tu peux te retrouver sur des produits, en fait, à ton issue, enfin, sans vouloir, tu vois. Je suis archi choquée, mais franchement, vous venez de me balancer un truc là, mais waouh, 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 je suis sur le cul, quoi. Mais ouais, il faut faire le tri, tu vois, t'en as beaucoup qui viennent pour merci la merde. Vu, après, si tu veux, n'hésite pas à me mettre modérateur, je pense que je suis une personne de confiance sur l'application. Si tu veux, tu mets modérateur et j'enlève les mecs qui font des trucs bizarres. Non, en plus, tu les connais, toi. Ouais, moi, je les connais. Attends, je te cherche. Cette infiltration, il y a Ner'zhul qui est mauvais en plus. Et ban tous les mecs, les comptes bizarres qui balancent. Tu veux que j'écris un message dans le chat? Ouais, vas-y, s'il te plaît. Vas-y, j'écris, je sais pas, j'écris n'importe quoi. Comme ça, tu mets modérateur et je vais enlever tous les spams. Non, mais je suis choquée, vraiment, je... Waouh. Ouais, faire gaffe. Tu vois, là, par exemple, t'es en train de fumer et t'as un briquet. À tout moment, là, il screen, et ça, ça il envoie ça à une marque de briquet, et tu te retrouves sur, tu sais, les petits briquets sexy où il y a des filles et tout, tu te retrouves sur une marque. Enfin, Cal, merci beaucoup. Ah, Smoke Puff, merci à ceux qui s'abonnent, les gars, vous déchirez. Merci, les gars. C'est gentil, les gars, ça me soutient tellement, les mecs, ça me motive encore à faire le coup. Mais t'inquiète, tu m'as mis modérateur, du coup? Oui. Ok, super. Bah, t'inquiète, je vais regarder pour l'instant, j'en ai pas vu. Il avait raison, le mec juste avant, là, avec le drapeau espagnol, c'en était un. Et c'est quoi, c'est en train de live ou quoi? Toi, Pablo, c'est même Pablo, c'en est un. Qui s'abonne. Ah, Pablo, c'en est un. Oh, vous déchirez, ouais, Pablo, les gars. Faut le dire.
Pablo, c'est le mec qui filme les mecs qui filment, qui filment. Il a banni, il a fait bannir tout le monde. Il a 41 ans. C'est quoi ce train de live? Ça va, ou quoi? Merci les gars, vous déchirez. Goman Pablo. Bloquez-le, s'il vous plaît. Au pire, je dis à Choupa qu'il faut ban. Moi, je suis pas le chat depuis tout à l'heure. Enfin bref, il se fait tard. Je vais te laisser, Justine, et si tu veux, je t'envoie un message et on parle plus tard. Vas-y, c'est bon. EXL qui s'abonne derrière, vas-y, les gars. Vous déchirez, les mecs. Putain, c'est beau. Rassure-la, Choupa. Mais Choupa, t'as trop, là, qui arrête de raconter ta vie sur ce thème-là. Ouais, je crois que Choupa, il a fait encore plus peur, je crois, non? Avec mes fossiles. Hein, quoi? Là, faut les draguer, qu'est-ce que tu fais? Faut la draguer, faut pas la faire peur, là. Enlevez Rouen. Le pire, c'est la personne qui s'est retrouvée sur les sachets de carottes. C'est bon, allez, y a pas besoin de draguer, c'est dans la poche. Et merci à Skur qui s'abonne, c'est un train de live ou quoi là? Non, moi je vais la tryharder en off. Ok. Mais là tu veux pas la rassurer un peu, lui dire oh, t'inquiète que c'est pas... Je sais pas. Est-ce que t'as déjà bah non, léché les deux boules à la fin? De quoi pardon? Merci à Skur. Dis-moi les pseudos de Mekaban. Rouen c'est bizarre, il est bizarre Rouen. Tu me fais oublier que je suis à moins 300. Il est bizarre. Lâche rien, nique les détracteurs, t'inquiète Freeman. Ouais bon après t'as pas besoin de te mettre dans le rouge Freeman, tu l'aurais fait quand t'aurais eu les moyens. C'est pas grave, merci beaucoup, ça me touche, Freeman, t'inquiète, j'ai vu. Salut, Justine. Salut. Il se passe quoi qu'il a accepté, lui? C'est vrai, toi? Ouais, il disait pas que des trucs intelligents et vrais, mais ce qu'il dit, c'est pas faux. Ici, t'as des gens... Tu vois, dans la vraie vie, t'as des gens bizarres, bah dis-toi, ici, ils sont 10 fois plus bizarres. Moi j'ai fini sur YouTube dès toi quand je suis arrivé ici à 2 ans, j'ai fini sur YouTube au bout de 17 ans. Un peu de mon chômage, merci pour l'emploi. Merci à tous les RSAman qui financent cette chaîne, merci beaucoup les gars. Toi moi après j'évite de me montrer trop souvent ici, tu vois. Ah bah dégage. Ouais, c'est moi le plus chelou, tout à fait. Merci. Les vêtements qu'elle a. Attends, après c'est un sortif, voilà, c'est. Voilà, tu. C'est un haut. L'intelligence. T'es sûr que c'est un haut? Ici, c'est pas leur qualité en général. Voilà. Ouais, j'ai vu, mais bon, après, on est tous humains, tu vois. Voilà. Mais genre, faire ça, c'est quand même très, très grave, quoi. Ouais, bon, ouais, peut-être bah. Après, je sais pas. Rien. Bah, si, je suis désolé. Après, il y a des hauts comme ça, peut-être. Les gens la nuit, attention. Non, même pas, je voulais aller me prendre une canette de coca, mais leur enfoiré. Alors que c'est un D-Live à la base. Merci, les mecs. Je suis sorti pour rien. Il raconte sa vie, lui. Je sais pas pourquoi il raconte sa vie. Non, mais faut que tu fasses attention ici. Clairement. Attends, je mets Nerzul avec moi dans le. Comme ça, au moins, je peux lui dire en temps après, réel. Ça va, tu viens d'arriver, tu vas être tranquille un peu. Mais après, c'est... Ouais, je suis dit à Nerzul direct, hein, dès qu'il y a des ah ouais comptes de merde qui se connectent. J'ai l'OVU depuis des années, en vrai, mais j'y vais par période, quoi. Et, ouais. Et franchement, quand j'étais plus jeune, j'avais 16 ans, c'était trop bien. Il une Nigar bloquette, vite. Des trucs bizarres comme ça. Attends, moi, quand je suis arrivé ici il y a 2 ans avant d'être top, merde, vite, parce que... c'était stylé. Non, mais je suis parce que je peux pas monter en cam. En gros, j'ai dû me déco, j'essaie de me reco, je demande un code à ce truc à la con. Vite, dépêchez-vous là. Putain, mais vous êtes modo les gars. C'est lui qui était en cam tout à l'heure. C'est lui qui était en cam tout à l'heure. Donc tu es sur YouTube actuellement. Trop long. C'est quoi ces modos en carton là? Mais ouais, c'est quoi leur problème? Je rêve où il y a Guillaume qui est le rediffuseur du diffuseur là. C'est Guillaume? Donc c'est ton Guillaume. Ah, ils t'ont fait le virer mais alors que c'est eux les mauvais. Non, mais qui me met en live là? Qui me met en live? Qu'est-ce qui se passe là? Vas-y Guillaume, continue à la filmer. Guillaume, arrête de filmer. Qui me filme là, putain? Mais vous êtes malade en fait. Actuellement. Guillaume, arrête de lui montrer ta chaîne, elle va te tuer. Je comprends pas, qu'est-ce qui se passe? Je suis en live moi. Oh, ma c'est bien demain. Attends, c'est bon, je suis connecté, je reviens sur le live. Mais je ne comprends pas ce qui se passe. Il y a un mec qui me diffuse, là. Je ne comprends pas ce qui se passe. Ma c'est bien ce qui va vous arriver, bande de fils de pute. Oh, la vie de ma mère. C'est bon, mais. Nerzul, je te demandais pas de passer en live, je te demandais juste de le kicker le mec. Kick juste les mecs. Ah, mais c'est pas, en fait, je pouvais kicker personne. La vie de ma mère, regardez bien si demain je vais pas porter plainte. Parce que ce genre de personne, je peux juste parler dans le chat. De merde là. Attends, j'y retourne. J'ai le démon, la vie de ma mère, j'ai le démon là, regarde. On va voir si c'est masterclass les mecs, j'y vais, j'y retourne. En gros là, celui avec qui j'étais. Mais c'est quoi ce bordel là? On est où là?
Oh, je vais vriller, je crois qu'il faut que je mette le ventilateur sur ma face, là. Oh, mais Starfa, là. Oh, bande de fils de pute, je vais vous niquer vos mères. Je suis choquée. Alors, Allah, faut que vous m'expliquiez. Le gars avec qui j'étais en live, c'est lui qui me filmait, genre. Je vais péter un plomb, hein. Je vais péter un plomb, vraiment, je vais péter un plomb. Depuis tout à l'heure, il me rediff ce bâtard. Je suis tranquille, en train, t'as bien vu, j'étais avec mon téléphone comme ça, il est en train de me rediffuser, il rediffuse des lives de live en fait. Mais attends, en fait on parlait en même temps. Ouais. Mais pas du tout pareil genre. Et on était quand exactement, même... parce que t'as bien vu, je tenais mon téléphone comme ça. Mais oui, et moi je me voyais en fait. Et lui voyait, en fait, comme il t'a expliqué à Yembap, il rediffuse des lives de live que je live. Donc du coup, quand je suis comme ça, je sais pas ce qu'il fait, il a réussi à avoir un visio sur moi en fait. Je suis archi choqué là. Mais moi ça me dégoûte les mecs qui font ça quoi. Heureusement que l'autre il l'a déjà dit parce que là c'était incroyable. Hein. Je sais même pas comment il a réussi à avoir les images. C'est sur YouTube ça ? Apparemment ou sur un autre site, je sais pas. En tout cas, je sais pas c'est rediffusé où. Attends, je sais que j'ai vérifiez un... les gars dans le chat s'il vous plaît pour Justine si c'est pas sur Twitch. Regardez si c'est pas sur Twitch les gars. J'ai paniqué, tu m'as entendu crier, j'étais comme ça, j'étais en train de tenir mon téléphone. Et c'est comme si c'était infiltré dans mon réseau. Je vais mettre à charger mon iPhone X, je vais trouver moi ce que c'est, je vais me connecter, regardez bien comment je vais les insulter. Hein. Et demain, je vais au non mandat. Mais t'as raison, attends, c'est incroyable. Demain, je vais porter plainte, la vie de ma mère. Voilà, je vais voir aussi pour porter plainte parce qu'il a accès à mes caméras chez moi et en fait, il me filmait, je sais pas comment il faisait quoi. Putain. Bon, je te passe Yembap qui t'expliquera mieux. Donc, c'est exactement ce qu'il t'a dit. En fait, il filme ceux qui filment, en fait. Mais c'est chaud. Ça part trop loin. Il y a peut-être un autre infiltré. Regarde dans le chat s'il n'y a pas un mec bizarre qui dit des choses bizarres. Putain, j'ai hâte qu'il démarre ce fils de pute, là. Merci les modérateurs de faire le nécessaire. Moi, je laisse ma cam. Ce serait bien que tu parles à Yembap. On est ensemble, tu sais, je suis... Ah, mais putain de merde. Bon courage, je vais essayer de voir qui me pirate mon image depuis quelques jours, parce que c'est pas la première fois. Vas-y. Mais ouais, mais on est dans quelle dimension, là? On est dans quelle dimension? On est dans le futur. Merde, mon compte a été banné, mais c'est pas grave. Pour l'instant, Infiltrax, toujours. C'est quoi le délire? Ben, le délire, c'est qu'en fait, il y a des gens qui s'amusent à filmer les lives là. Ouais, vas-y. Je vais essayer de te ban ton compte. Il y a d'autres gens qui sont filmés. Si t'as ban, je vais essayer de te ban Cachine. Ok, tu gères. Et après, on est diffusé de partout sur Twitch, sur YouTube, sur je sais pas quoi. On va envoyer des messages, Nerf. Tarfol là, mais je suis. Mais moi, j'étais prêt, j'allais lancer mon live Twitch. Il y a plein de stars au monde, Maïva Gaiman, des grosses putes à chouin là, à buzz. Vas-y, fais-le. Moi, je suis tranquille, moi, je suis juste des petits lives YouTube. Des petits live lovou comme fais-le ça. Fais-le comme ça, Choupa ou Mbappé te montre. Eh les gars, vous voulez que je parle avec elle, Justine, pour essayer de virer ouais, Itachi ou je sais pas quoi en modo? Bah oui, bien sûr. Mais ou sinon lui faire oublier le truc. Ok, je vais tenter. Tu m'entends? Ouais, je t'entends. Il dit que t'as du temps. Ouais, t'as vu le mec là qui était avec moi avant moi en cam là? Ouais. Mais c'est lui le youtubeur. Il s'est en boucan. C'est un keuk lui. C'est sûr. Je peux pas le virer, putain. Le mec. Ah ouais, il est déjà modo, merde. Il est modo, je peux même pas le kick, j'arrive pas à ton ban. C'est fatigué là, il fait des vidéos YouTube. C'est un putain de keuk le YouTube. Je sais plus c'est quoi son truc. Bonjour. Mais t'es rené ça, hein, t'es énervé, t'en bats les couilles. Non mais moi je suis désolé, quand on me met un truc et que genre ça me filme comme ça et que je me vois parler, mais laisse tomber, tu te dis mais on est où là, on vit tellement. C'est bidon, tu vois pas que c'est un YouTube là, chéné là. En mode 2 tu peux pas le ban, j'ai pas rien à faire, ouais ça va, faut que ce soit elle quoi. Non, faut, en fait c'est elle est bonne ban qui est vous et moi je peux rien faire. Je te jure, c'est incroyable. C'est énorme quand même, franchement, ça a bien joué longtemps. Ça a été énervé. Attends, il y a Choupa peut-être un... Ouais, en river, ça peut passer. Un Goldor, là. Comment ça s'appelle, le truc avec Trezeguet, là. Le but en or. Imagine ma mère demain va faire les courses pour mon neveu, elle achète des couches, elle voit ma face dessus, elle va me tarter. Mais non, il t'emboucade, tu vas pas être n'importe quoi.
La carotte, il a tout. Je pense, les gars, ça passera pas en reverse. Ça a l'air de le connaître depuis un petit moment. Je crois qu'il a une équipe carrément. Mais je crois qu'ils sont en équipe. Eh oui, c'est bon, les tous referment, les gars. Non, mais moi, je suis là, sinon, par contre, j'ai une confiance aveugle. Ouais, j'ai fatigué, ils ont pas compris. Mais Hitch, je me fais dire. Reveal sur iShield, vas-y. C'est pas là, enfin, ça fait, je sais pas, longtemps. T'inquiète, il est déjà venu dans mes lives avant, j'ai jamais eu de problème avec lui. Donc. Non, mais t'inquiète, je vais trouver son YouTube, je vais t'envoyer. Ça passe pas sur Twitch, si ça passe. C'est moi monté, je peux tout expliquer, mais Mbappin, je suis sûr que toi... Mbappin. c'est le même. Gaudier, c'est toi le youtubeur, la seule solution, c'est Aishid, il lance son live et il la filme. Il est chauffeur ou chez l'ami, tu veux qu'il fasse l'appli, comme moi, hein. Mais ouais, elle m'a pas dessus. J'étais déjà ban. Merde. Ça fait Mbappin qui fait ça, lui. Je sais pas quand c'est ça. Non, mais je pense qu'il faut désamorcer, comme dit Aiki, il faut lui dire la vérité, etc. Je pense qu'elle peut... Va te bouquer avec Aishid. Genre, tu montes ta caméra, tu dis ouais, c'est moi qui filme, les gens qui filment, qui. Non, mais Yembap, il a dit qu'il allait monter pour se faire expliquer. Il est malade mental. Il va lui expliquer, Yembap. Je suis choqué, genre. Ouais, bon, bah, le only sub, c'est ça, les gars. Donc, merci en tout cas ceux qui sont abonnés, les gars. Pour le prochain live, je pense, Lovo, on fera ça. Mais te prends pas la tête, plus tu les. Ok, les gars. Oui, bonjour. Vous cherchez un avocat? Ouais. Alors. Je suis mort, c'est qui l'a mis la tenue d'avocat? En fait, El Diablo prend possession des lives de notre ami. Mais El Diablo, il est. Et rediffuse. Alors lui, il est bon. À des fins de monétiser ces vidéos-là. Ouais. Donc, si vous avez besoin de mes services, n'hésitez pas à mettre un cœur. Je suis sûr qu'il me filmait, lui, non? C'est chelou, non? Oh putain, Maître Belmondo. C'était ça, ouais. Maître Belmondo. Il a fui. Bon, maintenant, vous allez me dire sur quoi c'était. Je veux les retrouver, s'il vous plaît. Dites-moi sur quoi c'est. Oh putain, c'est bon ça. Oh putain, c'est live les mecs, putain. Qu'est-ce qu'on est chaud. Voilà, je monte pas mal. Oui. Tu m'entends? Il va désamorcer, les gars. Ouais. Ouais, bon, tu as raison, moi je fais partie, je vais t'expliquer un peu. On est une troupe de théâtre, d'accord? Ce produit à Vitry, avec le Covid, non, on peut pas le faire sur tête. Attends, juste, je te stoppe. Ça veut dire que depuis... En fait, alors tu m'as banab, ça veut dire ça. Je t'ai quoi, tout à l'heure? Tu m'as banab, tu m'as menti. Ah bah oui, non mais c'était du théâtre. En fait, nous, notre but, on fait des fiches, d'accord, avant de se lancer le soir. Et le but, c'est de faire du théâtre et de l'inception avec les gens. Donc, on a tous un rôle prédéfini et nos histoires doivent se rejoindre. Et on fait participer les gens à des événements théâtraux comme ça sur Internet. Donc là, tu as eu toute la troupe. Même le petit jeune que tu trouvais mignon fait partie de la troupe. Là, tous les gens qui sont montés font partie de notre troupe des Loubards de Vitry. Et donc, voilà, vu qu'on ne peut pas se produire avec le Covid, on fait ça. Et bien sûr, toutes les vidéos qu'il y a, etc., c'est dans un but artistique. On a vu tout ça au niveau avec Lovu. Parce que, en fait, sur Lovu, ton image, tu l'abandonnes quand tu streams. Donc, en fait, voilà. Ça veut dire que même les modérateurs, ils sont au courant. Tout le monde est au courant sur Lovu, ouais. Ouais, t'as été. Ferme ta gueule. Ça veut dire que même les modérateurs, en fait, ils nous prennent pour des gros fils de pute, en fait. Oui, il met des. Ça veut dire que moi, depuis tout à l'heure, là, je mets ma grosse tête en plein milieu et que depuis tout à l'heure, il y a tout le monde qui. Oh, mais la vie de ma mère, mais vous êtes. Mais c'est du théâtre, Justine. Mais je m'en bats les couilles, c'est du théâtre, en fait. Du théâtre sur le dos des gens, en fait. Quand je vais au théâtre, moi, c'est pour voir Roméo et Juliette. C'est pas pour voir des batteries qui se raclent sur mes couilles, en fait. Mais arrête de t'en énerver comme ça, Justine. Ah, mais je m'en bats les couilles, là. Ah, vous êtes tous des fous. Mais quoi? Mais tu. Allez, nique ta mère. Voilà, niquez tous vos mères. J'y allais pour apaiser, Riri, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il y a eu? Je sais pas ce que t'as fait, mais t'as tiré en plein but. Oh putain, il l'a fait.
Oh non, mais j'ai rien fait, problème. Moi, là. Et voilà, et c'est moi qui vais encore recevoir une plainte. Super, merci les gars. De l'art, de l'art. Mes demi. Oh là là. Oh putain. Là, la petite de ma mère, regardez mais bien comment bien, je l'ai portée. Oui, elle était passée bien, ouais, ouais. Mais... tu l'as annoncé tellement en frontal que... Vas-y, Choupa, va désamorcer maintenant. Ouais, ouais, c'est vrai, ça. Va désamorcer, vas-y. Bah non, tu désamorces, mais pour du vrai. En plus, les loupards de Vitry, je trouve que ça nous allait bien. Ouais, nous, je disais à l'époque, les farfadets de Limoges, la troupe des farfadets de Limoges. Non, mais là, elle ouais, ouais, ouais. Tu voulais que j'y aille? Je vous jure, je vais péter un plomb, j'ai envie de taper de partout, la vie de ma mère. Vous désamorcez ou pas? Ouais, non, tu désamorces. Qu'est-ce que je m'en bats les couilles de votre table de merde, hein, t'as... Je suis qui, moi, je vais venir sur des couches panthères de merde, là. Matez bien comment je vais porter plainte. J'abandonne mon image quand je suis sur le vous, moi. Qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça, sale fils de chien? Ah, la vie de ma mère, je vais péter un câble. Toi, Mehdi, toi, mate bien, plus jamais de ta vie. Écoute-moi bien. Hein. Oh, moi, je suis pas, je sais pas qui en cas. Jamais de la vie. Je te reparle à toi, sale baltringue. Bah. Oh, là, oh, je peux pas. Non, je c'est peux pas une baltringue. Il a un bugué sur les bords. Je suis pas bien là. J'ai envie de péter un câble. Voilà, je crois que je vais aller prendre bière dehors là. Ah, oh, je vous jure, je transpire. Je crois que c'est les couches pampères, c'est pas passé, mais Maïdi. Hein. Bah ouais. Elle avait qu'il a laissé jus. C'est écrit dedans. L'accepter la charte Lovo, c'est terminé quoi. J'ai vu, ouais, ça prend. La vie de ma mère. Elle se remet des petits. Oui, mais Zander, de toute façon, on va pas tarder à décrocher. Bon, voilà. J'attends juste que Choupa intervienne, Valérie Camé, parce qu'elle est un peu, était un peu in love. C'est que de l'amour, les gars. Mettez-moi des cœurs pour la soutenir. Elle tombera, j'espère, sur la rediff. Mais pour rien de quoi, il a dit l'autre, il y était dedans. On fait que du théâtre, on fait là, on fait. Ok, c'est très con. Je sais que ça. On sait très bien, Justine, que ça peut pas plaire à tout le monde. On le sait que c'est casse-couille, mais bon, voilà, on fait des impostures. Toi, et toi, voilà. Tu vois ta bite, tu la prends, tu la suces, elle... Oh, mais je vais péter un câble. Parce que le pire, en fait, le pire dans tout ça, c'est que même les modérateurs Lovu, ils cautionnent ça, genre. Et franchement, ben, je vais carrément porter plainte contre l'application parce que je trouve ça dégueulasse. Ah oui, ah, bah, ça, c'est une bonne chose. Ah bah, ça, très bien. Je connais des gens qui sont un peu de followers dans leur Insta. Allez. Matez bien demain comment je vais leur en parler. Mais merci, l'Alger, pour le don. Merci beaucoup. Voilà, on attaque Lovo, nickel. Allez. Oh, je vais faire tourner ça comme jamais. Je suis en train de préparer mon bail, là. Vous allez coller. Pense bien à lire les CGU. Je m'en bats les couilles. Oh, nique ta mère, toi aussi. Ah, ça va te faire t'as des nouveaux viewers qui arrivent. Nique tous vos mères. Parlez plus avec moi, surtout. Ah ouais, j'ai des... Je sais pas le nombre de viewers. Le modérateur et mes couilles de mon cul, là. Mais c'est très grave. C'est archi... Franchement, c'est archi grave. Mais je m'en bats les couilles parce que je vais quand même aller porter plainte. D'accord. Mais on ira ensemble ensuite porter plainte contre Lovo, parce que c'est vrai que c'est horrible ce qu'ils font. Du théâtre. Mais c'est archi drôle, ça. Putain, mais quel théâtre de malade. Non, je prendrai pas Mehdi. Vous me laissez tranquille avec Mehdi. Mehdi, il fait comme les autres. Il va niquer sa mère. Je ne parle plus à ces gens-là. Mais en plus, encore, il m'aurait dit cache la vérité. Mais, j'aurais n'importe quoi, mal pris. Elle a pété un câble avant Mehdi. De me faire baiser la gueule, genre. Franchement, on a eu une année de merde. Et encore, sur l'OVO, on se fait baiser la gueule. Non, mais venez, on dit que c'est un mytho, qu'elle n'est pas avec nous, sinon. Elle est quoi? Faut laisser place à l'art et à la culture. Mais nique ta mère, l'art et la culture, c'est la Joconde, c'est pas faire des lives et se refilmer. Oh, arrêtez un peu, là. Est-ce que je monte en cam ou pas? J'ai peut-être moyen de monter en cam. Ouais, vas-y, s'il te plaît, pour le final, ouais. Attends. De toute façon, au moment où on en est... Attendez, ça va être drôle. Non mais les gars, franchement, elle est toute mignonne, y a pas de souci les gars, c'est vrai qu'elle est atteinte, elle pense à premier degré, c'est juste que c'est mais pas cool, ouais, mais bon. Moi l'art c'est du tableau, c'est la Joconde, c'est mais l'art c'est loup, la Joconde, je les gars. Je sais pas frère, c'est pas des lives. N'oubliez pas les gars que l'art c'est la Joconde, n'oubliez jamais ça les mecs. Mes réponses de bim, mais je m'en bats les couilles. Dis-tu dans le chat d'accepter Nerzul, les gars, dans le chat, staff Lovo, tu dis qu'il fait partie du staff. Je supporte pas ça. Trouvez-moi leur putain de live là, je vais aller les insulter, s'il vous plaît, trouvez-moi. Mais non, il y a que de l'amour, Justine, vraiment. Je suis désolée, je monte plus ma tête, mais j'ai pas envie, genre, qu'on voie ma tête en fait. Voilà, au moins elle se cache, c'est pas grave. Mais il faut que Nerzul intervienne. Non, mais là. Hein. Ah, c'était Ribéry qui disait ça? J'ai chaud là.
Je pensais pas qu'elle s'éternise. Non, il n'y a pas de j'accepte. On a déjà fait des trucs comme ça avec non, les groupes en fait, et ça passait bien. Vous êtes modérateur, ça veut dire que vous avez quand même une place assez importante au sein de l'application. Et vous faites la gueule. Dites dans le chat, accepte le nouveau modérateur. Quoi, mais quel théâtre. Dites dans le chat, les gars, acceptez le modérateur Nerzul, il travaille pour Lovo. Vous dites ça. Les mecs dans le chat, si vous voulez. Je veux pas. Si, on va réussir, Refais une demande. Ah, mais si l'allemand est en cours, je peux pas l'annuler. Mais si, moi, je pouvais annuler, après relancer. T'es sûr ? On appuie sur le plus. Attends, là, elle digère un peu. Ouais, t'inquiète, Saïd. On va désamorcer, t'inquiète. Bon, vas-y, je prends Mehdi parce que vraiment, j'avais un coup de cœur pour lui. Parce que il faut que je passe redescendre la Elle est trop mignonne, elle a dit j'avais un coup de cœur pour lui. Mais en fait, moi, je les connais pas. Je sais pas pourquoi tu m'as mis dans l'eau. Moi, je les connais pas du tout. Bah parce que le mec, il a dit que tu faisais partie de leur super troupe de théâtre de merde. Elle est trop mignonne, putain. Non, même pas. En plus, le pire, c'est que je les connais même pas, tu vois. Genre, moi, j'étais de base, j'étais sur des lives où il y avait cette personne, justement. Mais je sais pas c'est qui, en fait. Je sais pas du tout c'est qui. Mais les gars, le reflet, c'est le reflet du téléphone, bande de débiles. J'ai des lunettes anti-reflet le bœuf. Vous êtes cons, quoi. Mais je les connais pas en fait. Moi, je te jure que je suis monté parce que de base, en fait, je te trouvais vraiment mignonne. Et là, j'ai juste le seum du coup. Bah, je te le fais pas dire, moi, comment j'ai le seum encore plus. T'as le seum de quoi ? Oh putain, plus vénère comme ça, il y a eu pas y avoir. J'ai le seum de m'être fait prendre pour une conne en fait. Ouais, mais tu m'as mis dans l'eau alors qu'il y a une tension sexuelle entre les deux, les gars, c'est abusé. Je suis même pas avec eux, tu vois. Ouais, mais le pélo depuis le début. Quand une meuf est énervée comme ça, les gars, vous la sentez la tension ou pas ? Il a l'âge d'être c'est mon daron en fait. Attends, juste, je vais montrer mon ordinateur parce que t'as vu, eux ils me prennent la tête. Regardez, en face de moi, il y a mon ordi en fait. C'est grave bizarre, les mecs. Genre, même si regardez, je me mets comme ça, il y a quand même de la lumière bleue. Vous êtes trop bizarre en fait, ça s'appelle des lunettes anti-reflets. Mais vu que vous êtes un petit peu con certains sur le live, je vous en veux pas. Mais du coup, non, moi, Justine, je vais pas te mentir, je suis monté parce que tu me plaisais, tu vois. Ah, tu me laisses en blanc comme ça ? Bah, je te dis quoi, là, je suis assez énervé, en fait. Genre, je sais pas. Ça marche pas trop bien, genre. Moi, je veux juste te rassurer, tu vois, je veux pas que tu sois inquiète ou quoi, il va rien se passer. Ton image, elle va pas être utilisée, je pense pas. Mais j'espère pour eux qu'elle va pas être utilisée, parce que la vie de ma mère, que je trouve le meilleur avocat de toute la France. Mais après, t'inquiète, moi je pense qu'il va rien se passer. Juste, t'as vu ton modérateur Itch, je sais pas si tu le connais bien, mais il porte des fausses accusations, tu vois. Genre, il dit que je suis dans l'eau alors que je connais pas du tout ces personnes. Ouais, mais Itch, je le connais depuis un petit moment, donc je sais très bien. Mais est-ce que sur Internet, tu connais réellement les gens ? Tu vois, c'est juste des pseudos, c'est des personnes que t'as jamais vues. Et je suis sûr que t'as jamais vu son visage à Itch, il est tout en noir, tu vois. C'est pas qui c'est derrière la caméra. Si, je l'ai. Ouais, mais tu le connais pas. T'inquiète pas pour moi. Ouais, mais tu l'as pas, mais ça peut être n'importe qui, en fait. Ça peut être pareil pour toi, dans ces cas-là. Ça peut être exactement pareil pour moi, je te le dis clairement, tu vois. Moi, je suis honnête avec toi, tu vois. Ça se trouve, là, je te parle et je fais partie du groupe et je pourrais te mentir, mais je suis quelqu'un d'honnête. Et je pense que ça s'entend et je pourrais pas te parler. Là, ce soir, laissez-moi tranquille avec l'honnêteté, hein. Après, moi, je veux juste te prévenir, tu vois, genre, je veux juste être là pour toi et t'aider. Genre, j'aime bien tes lives, je t'ai connu, tu vois, très récemment, je vais être honnête. C'est juste, j'ai eu un petit genre coup de cœur, on va dire, entre guillemets, pour toi, je te trouvais vraiment séduisante et tout. Et je suis monté, j'ai pris mon courage à deux mains, alors que normalement, jamais je monte. Et là, ça commence à me mettre dans des lots, comme quoi je suis avec des personnes qui foutent la merde pour l'application, alors que non, du tout, moi, tu vois, j'ai toujours respecté les CGU du site et tout. Et là, ça veut me faire sauter mon compte, en fait. Ouais, mais moi je suis choquée là. Elle est choquée. Mais du coup là t'as vu, je sais pas. Du coup là t'as été énervé contre moi, tu m'as dit d'aller me faire enculer et tout. Bah ouais. Alors que j'ai rien fait. Venir des gens nerds. Ouais, mais bon. Et du coup je dois quand même me faire enculer. Je sais pas. Faudrait que Nerz t'enlève des. Tu bannes les gars, tu bannes Nigar, tu bannes. Écoute, juste t'as vu le modérateur, c'est un vrai modérateur de Lovu par contre. Ouais, mais lui c'est une batringue, lui il parle plus avec moi. En fait, si tu veux que je t'explique. Parce que ça se fait beaucoup sur l'application, comme c'est une application qui n'est pas encore très développée, le modérateur, il prend des billets. C'est-à-dire que le modérateur, si tu lui dis pour 100€, tu me récupères les informations de cette personne, il va le faire, tu vois. Bah, du coup, c'est encore plus une baltringue.
Après, il fait des sous comme il peut, tu vois. Mais la vie de ma mère, mais il n'a pas de faire des sous comme il je peut, pas, au bout d'un moment, faut arrêter de faire de la merde, là. Ban les mecs, Nerzo, dans le chat, là. Tu passes le bac, mais tu vas travailler. Concentre-toi sur les bans et après, interviens quand on te dira, mais il faut que tu bannes les gens, là. De l'art de quoi? De l'art de quoi? C'est de l'art de faire ça? Ban qui panda, bon, refoule ban, là. Je connais pas trop, tu vois. On voit ni GGR, il y a Sarama. Non, j'ai dit, je connais pas trop ce vice-là. Ban Alexis aussi. Mais calme-toi, ça sert à rien de t'énerver, t'inquiète pas. Non, mais si. Alors si, là, si, je pense, si. Écoute, là, je pense, tu coupes ton live, tu vas prendre l'air, tu vois un petit peu, et tu reviens et on reparle quand t'es calme. J'ai pas envie de me calmer, je suis vraiment énervé là. Je vais être énervé pendant 6 mois là. Ah ouais. Mais bah, vas-y. Voilà, Nigeria là. Bébé, viens faire un câlin. T'arrives pas à les ban, Nerz? Moi? Non, pas toi, mon chat. Il se touche sur Choupa ou quoi? Moderne, là, ah, dans d'accord. Le chat, là. Qu'est-ce qu'il fait? Parce que moi, j'aurais bien voulu te faire un câlin. Ouais, mais non, moi, je suis pas trop d'humeur, là. Ah. Bah, peut-être plus tard, hein. Inch'Allah. Vas-y. Mon pote. Putain, oh, franchement, j'ai un rire nerveux, là. Mais là, t'inquiète, il va rien se passer, genre, calme-toi. Je pense qu'elle est in love. Ah, il va droit au but, là. Bon, vas-y, et Justine, si tu veux, moi je t'ai envoyé un message, si tu me réponds plus tard et on parle plus tard, ok? Vas-y, c'est bon. Vas-y, je te fais des bisous et calme-toi, oh d'accord? Là. Et m'en veux pas, moi je fais pas partie d'eux ou je sais pas quoi, je les connais même pas, d'accord? Ok. Vas-y, bisous, bisous. Bisous. Oh, elle a envoyé un bisou en plus, mais comment il fait? Je te dis, ces profils-là, ça plaît à trop de meufs, hein. Je sais pas, c'est un BG. Quel style de profil quand il dit profil? Ce profil un peu. Comment dire, je t'explique. Oh, non, vas-y, c'est quoi le profil? Ouais, ouais. Mais un peu Fragilux, quoi. Un peu, mais... Tu vois, un peu équipé au team. Ouais. Je comprends pas. Attends, il y a que killer dans le. Tu peux mieux t'exprimer? Je comprends pas de quel profil. Mon tête touche. Non, j'ai pas envie, là. Attends, Samia, il peut nous faire rire. Parce qu'après, je vais finir sur des lives bizarres. Non, un peu Guézou, quoi. Enfin, un peu genre bébé brune. On me signe. Tu vois un peu pas le profil, bébé brune. Il est plus bébé burn quand même. Ouais, un profil un peu ouais métro, ouais, exact, ouais, c'est ça, métro sexuel, ouais, si tu veux, je te l'accorde. C'était Snaku, c'est ça? Bon, les gens, je pense que je vais couper le live. Ah, parce que enfin, ça m'a moi je coupe mon live bien, derrière. Bien saoulé. J'espère que ça vous a plu, les mecs. Hein, on a passé une bonne soirée, déjà 3h du mat. Je vais supprimer l'application, honnêtement. Genre, je vais aller sur Tinder comme tout le monde. Ouais. Parce oh que là, franchement, c'est grave ce qui se passe. Genre, c'est grave de ouf. Genre, vraiment. Genre, c'est un truc de malade. Et demain, je vais aller. Est-ce que t'as déjà léché les deux boules de mec? Malsain. Je me dis que ce serait une gamine ou quoi. Genre, moi, je suis 22 ans, j'ai la force. Mais elle les filles, elles savent pas. Et ça, c'est grave. Donc, je pense que. Merci, Jésus. Je pense que... Et merci, voilà. Souko. Non, mais tu ça sert à rien que j'accepte le staff, parce que je sais que je vais l'insulter. Et vu que je vais poser plainte demain, ben, j'ai pas envie qu'on voit les insulter, tu vois. Dites, ouais, dites quand même, accepte Nerzoul, il faut dire dans le chat, les gars. Riri, le rigolo qui te diffuse sur YouTube. Ah, vire Alexis, là. Ah, Nerzoul, il est pas vif sur les bans. Franchement, tu... T'envoyais des bans à foison, c'était win. Les 16 dislikes, vous pensez que c'est les lovos, là? Qui sont arrivés sur le live? Ah, c'est sûr. Ils sont arrivés sur le live. Bah, y a tout le monde là. Là, il y a tout le monde dans le chat. Là. Ça va être dur. On envoie des cœurs, s'il vous plaît. Elle est gentille comme tout, notre Justine. Mettez des cœurs dans le chat, c'est on bon, est diffusé. Hein. Salut Justine, on t'aime. On t'aime. Justine, on... Oh, bande de fils de pute, allez tous niquer vos mères, vous avez entendu ou pas? Mais pourquoi t'insultes? Quoi? Quoi? Oh, sucez tous la bite de votre père, sucez vos cadavres! Mais regarde sucez les cœurs! Sucez vos cadavres! Mais regarde les cœurs, il y a que sucez vos cadavres, bande de fils de chien! Quoi? Voilà, mais... niquez vos grand-mères les putes! Justine, niquez t'es adorable, vos grand-mères! Mais les on t'aime, Justine, franchement, on voulait. On a juste mais fait une blague! Suicidez-vous même! Suicidez-vous! Mais non, mais dis pas ça, pas sur de YouTube! De merde! Quoi? Pas sur YouTube, quoi? Mais on est ah, bande de baltringues! Demain, je vais porter plainte contre vous en cas, vous savez pas! Mais c'est des menaces de mort, qu'est-ce que tu nous fais? Ça marchera pas la plainte. Mais fais pas ça, on peut arriver à un consensus. S'il te plaît, je te tends ma main, je suis gentil comme tout. Mais je m'en bats les couilles, vous inquiétez pas pour moi.
J'irai faire 5 ans de prison s'il faut, moi je m'en bats les couilles, mais moi je suis pas une baltringue comme vous, bande de fils de pute là. Mais pourquoi t'insultes, c'est enregistré, ça passera pas auprès du juge. Justine, coupe ton live, va, Justine, prends le temps. T'as donné ton image auprès de Lovo. T'as donné ton image exactement auprès de Lovo, donc elle est diffusable en Mondiovision partout dans le monde. Donc on n'a rien fait de mal, vraiment, Justine. C'est un spectacle. C'est comme les viewers qui sont en train de te regarder. Les 265 personnes qui te regardent. Mais Justine, ne le prends pas comme ça, t'es en ego RP. En plus, les gens, ils te kiffent dans le chat. Ils ah oui, les couches, c'est fake, faut le dire. Tout ce qui était couches, etc., c'était faux. Hein. Les couches, ouais, c'est fake, exactement. Tout, c'était ouais. Pas vrai. Hein. Exactement, bien vu. Si tu m'entends, accepte-moi en privé, on discutera et je t'expliquerai un peu ce qu'on fait. Et accepte le staff Lovo, il t'expliquera un peu ce qu'il en est aussi. La meilleure réaction ever. Eh hey, franchement, Christy, t'es la meilleure. T'es la meilleure, t'es la meilleure. Bien envoyé, bien envoyé. J'avoue, bien envoyé. Bon, partout, tiens, les gars, nous a fumé. Prends-en les dents, Ryuz. Oh putain. Elle nous a troll, les gars. Bon bah je crois qu'elle nous a troll, hein. Bravo, hein. Bravo. Bien joué. Elle nous a contre-troll, c'est la première fois de ma vie. Premier contre-troll en 8 ans de carrière, magnifique. Merci, et on peut l'applaudir, les gars. Si ça l'intéresse de faire du théâtre... On est beaux joueurs, les gars. Elle nous a gérés. Gros guignol. Et ouais, Justine était avec nous, les gars. C'est beau ça quand même comme finale, c'est magnifique. Attends, Justine est avec eux ? Oui. Oui. Ah bah oui, t'es avec nous. Totalement. J'appelle mon avocat. Sois avec nous, viens rigoler avec nous. Sois avec nous. Justine, allez. Tu vas te faire démonétiser, t'inquiète Tatouchka. Ah ouais, j'avoue, attends, j'espère qu'il n'y a pas des droits dans la... Mais un avocat, frère, c'est ouvert à n'importe quelle heure, enfin, peut-être pas, mais t'inquiète. Elle va appeler l'avocat, là, maintenant. Il a des super bons avocats. À 3h38, un super bon avocat qui répond, mais à voir. C'est un film, cette meuf. Mais bien sûr que je suis un film. Mais là, c'est je suis diffusée sur YouTube. Qui en est étude de droit. C'est incroyable, c'est waouh. Mais au final, bah, de toute façon, ils ont filmé ma tête toute la soirée, donc maintenant... Ouais, par contre, baisse pas la caméra, on voit trop. Voilà, ouais. Faut que tu remontes un peu. Faire partager mon petit train de vie super génial. Ça veut dire qu'il y a 100 000 geekers de merde, des cassos de bas étage, des gens de bas étage qui me guettent là. Ça me dégoûte. Si tu savais combien se font certains streamers, genre professionnels, tu dirais pas ça, ma petite Justine. Je crois qu'elle a pas vu nos salaires avec la skyboulette. Hein. Ton père, c'est Dupont Moretti et baisse pas la cam. Si elle savait que les geekers aujourd'hui, hein, c'est ceux qui. Hein, tu compares mon père à une balle. On règne sur internet au niveau des thunes. Hein. Tu compares mon si père à savait... une balle quand même. Bas étage, c'est pas, peut-être pas le bon terme, cher viewer, vous êtes d'accord avec moi? Mais non, le gars, le chat, ne le prenez pas en égo, elle disait pas ça pour vous, quoi. Vous êtes des... Hein, je vous mens pas. C'est ça, c'est les fous. Mon coup, cette histoire. T'as fait une skyboulette de 17h à 3h du mat? Non, ça va pas. Tu tapes quoi sur YouTube? Tu tapes Riri le rigolo, tu vas voir. Je vois ta réaction. Mais toi, ta mère, si t'es pas content, c'est pareil, ça te bat. Riri le rigolo. Et oui, il a vraiment écrit Riri le rigolo. On t'aime, Justine. Ouais, des cœurs, continuez d'envoyer des cœurs dans le chat, les gars. Alors, moi, je vais te dire, le mieux à faire, c'est de niquer sa mère, la pute, à ce youtubeur, c'est tout. Parce que ça, c'est pas un youtubeur. Un youtubeur, c'est Squeezie, frère. Lui, c'est qui? C'est rien. Oh. Ah ouais? On m'aurait donc menti? Ah, apparemment, c'est Squeezie, le youtubeur. Sur lui, si tu peux me laisser monter, je t'explique. Je m'en bats les couilles, toi. Nique ta mère aussi. Nique ta mère, j'ai pas tout suivi, mise en vie, non. T'es qui, Ryuz? T'es qui? Maoun. Mais je sais que je suis en direct sur YouTube. Je suis une star, vous savez pas, vous, je suis une star. T'es trop. Bon, bah, rip, hein.
Ouais, non, mais toi, t'es encore bien parce que Choupa, bah, tu faisais quoi là? Tu cherches ton télé? C'est ça? Je lui ai envoyé un message. Mais tu sais qu'elle est, elle t'a mis bisous et tout, elle est à fond sur toi. Hein. Même ah, mais ça, t'as vu comment elle parle? T'as dit en quelle année? Elle a montré le volte-face. Son... Ah ouais, son vrai visage, tu trouves? Ah non, j'ai pas envie de couper. Ouais, là, tu vois. Mais non, parce qu'elle était énervée, on la prend qu'aide quoi, donc c'est normal. En vrai, no fake, Riri, si elle avait pas parlé comme un Weshman, genre elle aurait pu être. Ouais, no fake. Mais ah ouais, elle te plaisait vraiment un peu, ouais. Niquer vos mères, sucer mes couilles. En quelle année tu parles comme ça, tu vois? Niquer leur mère et pute, mais c'est mes potes. Bah, elle vénère un peu. Pourquoi bah, est-ce que tu veux même me vénère? Je connais pas de mec qui parle. Bah, ouais, pour toi, ça va te niquer. Oh non. Ouais, elle fait trop ça. Ça... J'avoue, t'as raison. En même temps, même Laure, elle ne s'est même pas insultée. Elle ne saurait jamais réagir comme ça. C'est un mécanisme de défense pour elle, là, je pense. C'est tout. Ouais, bah ouais. Ouais, vous êtes en train de... Même vous êtes en train de me casser les couilles, c'est pour dire. Ouais, je pense qu'elle a contenu aussi, je sais pas, peut-être. Elle a contenu et. Non, ouais, mais c'est pas très, comment dire, glamour, on va dire, entre parenthèses. C'est-à-dire, on va se prendre la tête. Elle va me mettre un coup de tête dans la bouche. Mais arrête de faire le difficile, je suis pas à part ça. Franchement, ah bah, le reste, c'était nickel. Je crois que les meufs, elles vont dire quoi quand elles sont vénères. Mais tu crois qu'elle aura besoin d'elle engage tout le temps naïf, elle est full naïf. Quand il se rendra compte qu'il cherche ce qui n'existe pas, c'est-à-dire la perfection à chaque heure pour lui, il trouvera peut-être quelqu'un. D'ailleurs, bouffonne. Bah ouais, je suis pas avec eux. Vous avez des grosses missions, je pense que c'est mieux. Bah franchement, je pense que vraiment, tu. Bah tant mieux pour toi. Je suis pas avec eux du tout, en cas. Vous croyez que je cautionne pas? Demain, je vais porter plainte. Mais vous êtes des malades, vous êtes des malades. Allez, niquez-moi vos mères. Une bonne carotte. Vous savez quoi? Non, mais en tous vos grands-pères qui sont morts. Allez, bisous les sangs. Je crois que Choupa avait raison. Allez, baisez tous vos grands-pères, les grands-morts. Elle a dit quoi sur moi? Choqué. Choqué. Ok. Ah ouais, mais de ouf. Ils vont trironner à Aubenasson, les gamins. Bon, allez, quelle meilleure chute, les gars. Merci en tout cas d'avoir suivi ça. C'était cool. J'espère que ça vous a plu. Pause bleue et restez connectés sur Arius TV si vous voulez avoir du contenu de la sorte. On va bisous te terminer. On va terminer. Merci d'être passé, les gars. C'était cool. C'était marrant. À plus tard. Je décroche Axe. Vas-y, bisous. Bisous, les gars. 4h du mat. Ciao. Ciao. Quant à nous, on se retrouve très prochainement pour de nouvelles aventures. J'espère que ça vous a plu et merci à tous ceux qui sont abonnés, les gars. Vous faites tourner l'Arius TV, sinon je vous assure que ça serait très très difficile à faire des lives aussi régulièrement et aussi longtemps dans la nuit. Hein. Donc voilà, donc il y a des sacrifices certes, mais je le fais parce que ça me fait plaisir et je sais que derrière des gens qui vont soutenir. Donc voilà, continuez. Merci Ira pour le petit limon, mais je vous libérerai un coffre, les gars, dans la semaine, les limon guys, les D-Live-eux. On verra, on verra. Je pense qu'ils vont certainement rironner cette pauvre demoiselle. Cette... Enfin, pourquoi je dis ça? C'est pas une pauvre, c'est une gentille demoiselle. Elle est gentille comme tout. Même si tu nous as insulté, il n'y a pas de souci. On t'aime bien en tout cas, il n'y a que des cœurs. Et on a fait le nécessaire pour modérer. Et voilà, pas d'insultes, les gars, elle était cool quand même. On a eu une bonne réaction, c'était génial, elle nous a bien divertis. Mais voilà, toutes les bonnes choses ont une fin. Bonne nuit à vous tous, dormez bien, les gars. Et prenez soin de vous, je vous aime. Ciao, ciao. Les D-Live, ils vont faire les screenshots à chaque fois du Riri. Du lili, du lili.